abonnés. Je suis venue faire arranger mes petites sandales de chez Zara parce que avec le sol qu'on a ici, ça abîme toutes mes chaussures. Donc tous les bouts des talons là, attendez, je vois. Vous voyez, le bout des talons s'abîme en fait. Donc du coup, on est obligé de les remplacer tout le temps. Ceux-ci aussi, je les ai fait remplacer. Non, donc voilà. Ouais. Les gars, je profite de ma pause pour faire cette course parce que j'ai envie de faire un petit outfit, une petite vidéo Instagram avec mes sandales. Au moins, vous avez les behind the scenes de la préparation de ce petit shooting. Je vais voir oh là là. Je vais voir la galerie d'art. Je savais pas qu'il y avait une galerie d'art. I'm discovering. Vous allez installer aujourd'hui, hein? Ok. Pour te plaire, voilà, j'ai trouvé. Waouh! J'avais pas vu ces tabous là. Donc voilà, petit souvenir du marché plateau. Et vous vendez à combien? Ça, je vends ça à 25 000. 25 000? Mmh, à deux balles. Ça, c'est mon camp jusqu'à ici là. D'accord. Et ça, c'est ton camp jusqu'à ici là. D'accord. Et pour ramasser, tu vas laisser un pion dans une case. D'accord. Et si tu... Ok. Donc, j'ai bouffé tout ça. Voilà. Ok. Le solitaire, c'est du seul? Ouais, justement, solitaire. Voilà comment j'ai passé ma pause. J'ai même pas mangé. Je suis venue jouer au touriste ici. Et je repars avec un porte-clés. I'm finally home. J'ai trop hâte d'enlever cette perruque. Au fait, je la garde juste pour vous, par respect. Parce que mes cheveux, ils sont... Au fait, j'avais coupé mes cheveux, j'avais changé de coiffure. Mais elle est tellement difficile à entretenir. Il faut tout le temps que je lisse avec le fer. Et j'ai vraiment pas envie d'abîmer mes cheveux, au fait. J'ai pas envie qu'ils tombent. Ils sont déjà très fragiles. Et si je continue à mettre de la chaleur dessus, ben... vont finir par tomber, je vais finir chauve et c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Donc voilà, j'ai hâte de manger aussi parce que depuis ce matin, j'ai pas mangé. Est-ce qu'elle filme ça? Il y a un film bizarre qui passe à dire. Ça tombe un peu, hein. Retour à la maison du petit concert, mini concert
de Singila. C'était super. C'était une belle expérience, mais bon. I don't like staying late outside parce que déjà, comme je suis seule, I need to be careful. Et puis, thankfully, j'ai aussi des amis qui comprennent et qui ont le même style de vie parce que voilà. Et c'est Dana qui m'a invité, ma copine Dana que vous avez déjà vue une fois, j'avais vlogué. Merci à Dana pour cette belle soirée. Même si elle m'a lâchée, je suis restée toute seule et parce qu'il fallait qu'elle rentre rapidement. Donc du coup, je suis restée parce que j'avais commandé à manger. Et on m'a proposé de faire des photos avec lui. J'ai eu trop honte. Genre, il était dans sa petite salle privée. Tout, j'ai dit, please, I just can't. I'm so shy, I don't even know why. Anyway, j'arrête de vous saouler. À plus. Kisses, à demain. Demain. Je suis en train de boire un jus gazeux. Ça fait des mois que je n'en prends plus, mais bon. Il y a le bruit ici, ici on peut même pas vlogger. Il fait tellement chaud. Oh my god, my nails. It's the nails for me. Dans ce vlog, je suis juste une STF confirmée. Je suis vraiment en train de filmer en pagaille, mais en pagaille. Là, je suis chez mes parents, là, je suis dehors. Vous savez que j'adore, mais j'aime trop la vue d'ici. Donc, du coup, ouais, je profite un peu. Il y a beaucoup de bruit. Je voulais juste vous parler d'un truc, au fait. I suck at socializing. Voilà. Quand je rencontre les gens, je suis un peu timide. Et du coup, quand j'arrive chez moi, comme là, je suis calmement chez moi. Je me suis rappelé des trucs que j'ai dit pendant que j'étais en rendez-vous avec, avec quelqu'un aujourd'hui. J'ai eu trop honte. Genre, j'ai eu trop honte. Je me suis dit, hey, mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pas dit ça comme ça? Pourquoi j'ai mal prononcé tel mot? Et ça, ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, quand je rencontre de nouvelles personnes, même dans mes vlogs aussi. Comme là, j'ai pas encore posté le Q&A parce que j'ai fait un Q&A. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous puissiez bien m'entendre. Ne vous occupez pas de ma peau, please, les gars. Ma peau, là, en ce moment, elle part en couille. Anyway. Donc, du coup, même mon Q&A, je n'arrive pas, j'assume pas du tout à le poster. Parce que j'ai dit des trucs, je me suis dit, mais pourquoi je disais ça? Pourquoi j'ai dit ça comme ça, alors que c'est pas vraiment ça? Et genre, ça m'arrive à chaque fois que j'interagis avec les gens. Quand je rencontre de nouvelles personnes, avec mes amis, je m'en fous un peu, vous voyez. Je suis à l'aise, je fais tout ce que je veux, je dis ce que je veux. Mais de nouvelles personnes, je sais pas si vous êtes comme ça aussi. J'arrive pas juste à bien parler. Puis après, je regrette. Après, je suis en mode, oh waouh, pourquoi j'ai dit ça comme ça? Pourquoi j'ai... Et là, au fait, le seul truc qui me fait chier, c'est que j'ai tutoyé la personne à un moment donné. Et genre, ça me honte. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais pourquoi? Genre, dès que j'ai tutoyé, je me suis dit, mais merde, mes meufs, why? And then, genre, ce why-là n'arrive pas à quitter ma tête, genre. Tout l'instant où je tutoie, la personne revient dans mon cerveau en boucle, au fait, ça me fait chier. I'm just an overthinker, guys. I'm obsessed. I don't know what's wrong with me. Mais bon, je pense pas être la seule. Dites-moi si je suis la seule ou pas, parce que là, j'ai l'impression que genre, je pète. Je peux me remémorer un truc embarrassant, mais 10 000 fois dans ma tête. Et genre, parfois même, quand j'ai envie de dormir là, genre tous les scénarios de honte, d'embarrassment qui viennent me hanter. C'est pour ça que j'ai des insomnies et que ma peau est horrible. Ma peau est pas ronde parce que j'arrive pas bien dormir parce qu'il y a trop de choses qui me font honte. Bon, j'arrête de parler, c'est bon. Assez de blablabla comme ça. Et puis, il y a trop de bruit ici aussi. Bye, guys. Je ne sais pas ce que je vais vous montrer next. But we will see. Because this is just a fourre-tout vlog. Regardez-moi ce paysage, les gars. Oh, my God. We are so blessed. Bon, apparemment, mon taxi est là. Hi guys, comment allez-vous? J'essaie de faire un petit weekly vlog, mais je pense pas que ça sera vraiment un weekly vlog.
vlog, mais je vais vous mettre un peu plus de contenu que d'habitude. Aujourd'hui, là, je suis en train de prendre ma pause. Je suis au bureau parce qu'il pleut, donc ça sert à rien d'aller dehors. J'ai commandé des petits croissants, pain au chocolat. Mon mocha au chocolat, il est très bon. Not bad. Franchement, le goal c'était de ne plus dépenser des sous, acheter la bouffe à l'extérieur. Mais depuis 2 semaines, j'arrive pas. I've been lazy for 2 weeks. Donc, à la maison, je mange à la maison. Mais la pause, ça fait 2 semaines, là, j'ai du mal. Je suis juste fatiguée. C'est épuisant d'être responsable. Il y a la taille normale du croissant. Ça, c'est un croissant au beurre. Il a l'air bon aussi. Hein. Attendez. Mais très bon. Très bon. Bref, j'arrête de vous saouler avec ma bouffe. A plus. J'arrive le jour où il y a des soldes. Je savais pas qu'il y avait des soldes. So guys, this is the outfit. I'm picking the jeans. Et puis la veste, après le t-shirt. Non. Il est très beau, mais avec tout l'ensemble, ça donne pas du tout. Après non, les sandales, c'est pas trop ça. C'est pas trop ces sandales qu'il faut mettre, mais la veste, oh, oh, c'est une tuerie. La veste, c'est trop mon délire. But the sandals, non. Mais très court le jean quand même. Bon les gars, ça y est, j'ai fini. J'ai pris un truc, une veste. Et on va rentrer à la maison, on arrête de dépenser l'argent. Guys, je suis de retour à la maison. Je sais pas si je vais continuer à faire les weekly vlogs. Parce que quand je rentre à la maison, là, je suis vraiment fatiguée. Et j'ai pas du tout la force de commencer à poser sur les trépieds, chercher les bons angles là, please. I just can't. Parce que là, c'est... boulot, maison, je fais quelques courses vite fait, mais sinon, c'est juste a waste of time. Et j'ai pas envie de perdre votre temps. Ah, attendez, je vous montre. Oh. Oh. Ouais, je vais vous filmer une nouvelle skincare. Je me suis acheté le peeling là, de chez The Ordinary. Donc, je vais vous filmer une nouvelle skincare. J'ai beaucoup parlé, j'ai pas montré grand chose, mais j'espère que vous avez kiffé ce vlog. À nous revoir bientôt pour de prochaines et belles aventures. Là, je vais vous filmer mon week-end. Donc, take care. On se voit bientôt. Kisses. Bye.